Good morning, Aleiden. L'étude sera aujourd'hui les Loïnishmat, Chana Bat Sultana, Amram Yona Ben, Chana Peggy Bat Esther, Zabadon Adam Shibortu, Simon Bat Lomi Michal Nivikov, et aussi le Fat Ruth Bat Klodin Traina et Simcha Bat Masoudi Betor, Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi l'aider, une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Shvot Perek Zain, Mishnah Hey, Vachen Vani al Pinkaso Keitzad. Lo Sheyomar lo Katub al Pinkasi Shata Chayav Li Mataim Zuz. Et là, אמר לו, תן לבני סתיים חיטים, תן לפועלי בסלע מאות. הוא אומר, נתתי, והן אומרים, לא נטלתי. הוא נשבע ונוטל, והן נשבעין ונוטלין. אמר בן ננס, כיצד אלו באין לידי שבועת שב, ואלו באין לידי שבועת שב? אלא הוא נוטל שלא בשבועה, והן נוטלין שלא בשבועה. הוא קוטינו? Avec le cinquième cas de Nishba'in Venotlin, selon la Torah, lorsque la Torah impose de jurer pour éclaircir une situation, alors elle donne le droit à celui qui va se faire dispenser par sa Shvoua de jurer. Ouais, il y en a un qui réclame et l'autre qui dit qu'il ne doit rien. Et ben on va dire celui qui affirme ne rien devoir de jurer pour être Nishba Veniftar, jurer et se faire dispenser. Dans cinq exceptions, la Torah, la Chachamim sont venus et ont dit, on va donner le droit à l'adverse de réclamer et même de jurer pour prouver que l'autre lui doit de l'argent. Donc il va jurer être Nishba Venotel, jurer et prendre. On apprenait les quatre précédents dans les quatre premières Mishnayot du Perek. Maintenant le cinquième, c'est Vehachen Vani Alpin Kasso. L'épicier sur son carnet. Vraisemblablement, apparemment, on parle qu'il a un carnet où il écrit que Reuven il a acheté pour 10 shekels de marchandises. Mais la Mishnah vient exclure ça tout de suite. Donc, Vechen Vaniel Pinkasso. Et l'épicier sur son Pinkas, sur son petit carnet. Keitzad, comment est le cas? On ne parle pas du cas où l'épicier vient et dit écoute, là j'écris que tu me dois 200 zouz et paye-les-moi. Non, on ne va pas lui donner le droit de jurer et de réclamer. C'est-à-dire. Puisque moi je vais aller voir maintenant un client potentiel en lui disant « Il y a écrit chez moi que tu me dois 200 shekels », eh ben, je vais être en droit de lui réclamer, de jurer. Il y a la Shvuat Eset, Midarabanan, qu'on va lui donner j'aurai le droit quand même de lui réclamer, de jurer, et l'autre va jurer qu'il n'est pas tout. Mais c'est pas sur ça que Khamim, ils ont dit que je pourrais être juré et que je pourrais jurer et me servir. D'accord? Alors comment il est le cas de Nishba Benotel que je jure et que je reçois l'argent par ma Shvuat? Et là, on parle plutôt du cas, un autre cas. Amarlo, on va parler de trois parties, trois personnes en fait. Il y a l'épicier, celui qui doit l'argent, et un intermédiaire entre eux qui va être soit des poalim, des employés qu'il avait, ou soit son fils. Soit, Amarlo, moi je dis à l'épicier, ten libni mataim sataim chitim, donne à mon fils deux CA de chitim. J'ai des comptes avec lui, je lui dis, tu sais quoi, quand mon fils il vient, 2 kilos de farine, tu lui donnes, et moi je te les payerai. 2 CA de chitim, c'est une quantité de blé. Ou encore, ten le poali, baissez la maot. Ou bien plutôt, donne à mon employé, donne-lui un CA maot. Pour une valeur de 1 CA, une pièce de 1 CA, donne-lui plus de la petite coupure, donne-lui des petites pièces, et puis moi je viendrai, je te payerai la grosse pièce, par derrière, ensuite, à la fin. D'accord? Donc en fait, là ici, donc, on a trois personnes. Moi, je demande à l'épicier de faire quelque chose, de donner à une tierce personne à qui j'ai des dettes envers la tierce personne. Ça peut être mon fils, je dois le nourrir. Ça peut être mon employé, je dois lui payer sa paye. Et je lui dis, donne-lui. Et après, ce qui se passe, c'est que... Bug. Après, il revient me voir, il me dit, allez, tu me payes ce que j'ai fait la semaine dernière, je t'ai demandé. Donc l'épicier revient me dit, la semaine dernière, tu m'avais demandé de payer ton employé, je l'ai payé. Je lui dis, ah, tu l'as payé? Je lui dis, Reuven, il t'a payé? Il me dit, non, pas du tout. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait? L'épicier me réclame maintenant de l'argent, et lui, il continue à me réclamer sa paye. Qu'est-ce qu'on fait? Asbu Omer Natati. Lui, l'épicier, dit, mais je lui ai donné. Il a fait ce que je lui ai demandé. Et l'employé vehen omrim et les poalim ou les enfants, l'enfant, il rétorque, l'onatal nous on n'a rien pris. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien c'est sur ça que la Mishnah nous enseigne, hu nishba venotel vehen nishba in venotlin. L'épicier va jurer et se servir, moi je vais lui payer une première fois sa paye. Et puis après mon employé va lui aussi jurer et je vais payer à mon employé une deuxième fois sa paye.
D'accord? Donc je paye en fait deux fois la paye au lieu de payer une seule fois. Parce que je ne sais pas qui dit vrai. Est-ce que l'épicier avait réellement donné l'argent ou la nourriture? Et donc c'est lui le menteur? Ou bien non? Est-ce qu'il ne lui a pas donné? Et donc c'est l'épicier le menteur en fait qui affirme qu'il a payé ou non. D'accord? Donc là, c'est le cas type que Chachamim ont fait ce décret de Nishba Venotel. Ok? Si maintenant, vous devez sûrement vous demander, mais je ne comprends pas, pourquoi faire jurer les deux? D'ailleurs, Ben Nanas, ça va être ça le problème qu'il a. On n'a qu'à lire tout de suite Ben Nanas, on en a pas sur Tanakama. Amar Ben Nanas. Ben Nanas, c'était son nom. Un fils de nain. Un nanas en hébreu, c'est un petit, un nain. Je sais pas pourquoi il a un nom pareil. En tout cas, voilà. Amar Ben Nanas, il a dit Ben Nanas. Comment c'est possible une chose pareille? Keitzad Elo Ba'in Edejvoat Shav, Ve Elo Ba'in Edejvoat Shav. Comment vous, Chachamim, vous pouvez imposer à l'épicier et aux employés de jurer quand vous savez pertinemment qu'il y en a un des deux qui va mentir? C'est impossible une histoire pareille. Vous, les Dayanim, on va apprendre dans le prochain Perek à quel point c'est grave de jurer à faux. Certes, vous avez le devoir d'imposer de jurer, mais comment c'est possible? Grâce à votre joie au Bedin, vous savez qu'en ce moment, il y a le Shem Hashem qui est mitralel et quelqu'un qui est en train de mentir en mentionnant le Shem Hashem. Comment vous pouvez tolérer une chose pareille? C'est impossible. On demande à quelqu'un de jurer quand c'est possible qu'il dit vrai, mais quand il y en a un de deux, c'est sûr qu'il ment, on ne peut pas laisser une situation pareille. D'accord? Parce que soit le Khadvani, soit l'épicier, il a payé, soit il n'a pas payé. Donc vous imposez les deux de jurer, de se servir, c'est impossible. Alors qu'est-ce qu'il propose Ben Nanas? Elle a hu notel shalom bishvoa, vehen notelin shalom bishvoa. Eh bien désolé, dans une situation pareille, on va laisser l'épicier se servir, récupérer sans jurer, et laisser les employés prendre leur paye aussi sans jurer. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. On se retrouve en situation bloquée, mais en tout cas, il n'est pas question, d'une part, de ne pas payer, parce que quoi qu'il arrive, l'épicier va me dire, tu m'as demandé de payer, j'ai payé, tu m'as fait confiance. Ouais, tout est fondé sur la confiance, justement, c'est le point qu'on va revenir, qu'on va expliquer un peu mieux Tanakama. Tout est fondé sur la confiance. Quand tu me demandes de payer, tu ne m'as pas demandé de garder des preuves, donc tu t'appuies que je suis quelqu'un d'honnête qui veut faire ce que je t'ai demandé. Donc je viens, je te dis, bon, j'ai fait ce que tu voulais. Tu as maintenant un problème, alors moi je vais te dire, lui c'est le menteur. Maintenant, lui, il n'a pas de rapport avec l'épicier. Ouais, l'employé n'a pas de rapport avec l'épicier pour dire l'épicier, c'est peut-être un menteur, donc qu'est-ce qu'il lui doit? C'est-à-dire, toi, le balabait, l'employeur, toi, tu as décidé de faire confiance au Khedvani, mais ça n'implique pas que tes employés aussi font confiance au Khedvani, à cet épicier. De ce fait, eux, ils disent, pour le moment, nous, on a travaillé chez toi, tu nous donnes une paye, donc tu dois nous payer, et tu nous payes, et ils jurent aussi. D'accord? C'est la vie de Tanakama, et donc Ben Anas va nous dire, non, c'est pas possible de laisser payer. Et finalement, du coup, donc, j'ai expliqué pourquoi. C'est une question, j'ai directement répondu, excusez-moi. Il y avait une question qui se posait sur la première partie de Tanakama. Pourquoi est-ce qu'on fait jurer et l'épicier et les employés? Fait jurer que les employés ou fait jurer que l'épicier finalement? Comme ce que Ben Nanas, comme le problème de Ben Nanas en l'occurrence. Mais la réponse elle est simple, elle est justement, comme ce qu'on a expliqué. Que l'épicier, lui, il ne connaît pas ses employés. Pour moi, tes employés, c'est des voleurs, des truands. Il ne leur a pas fait confiance. C'est-à-dire, toute la chevoua, elle ne commence que parce qu'il y a une certaine confiance entre toi et moi. Soit parce que je t'ai confié mon argent, mon objet à garder. Alors maintenant, il y a eu un problème, tu vas pouvoir affirmer qu'il a été abîmé, béonès, en jurant. Puisque moi je t'ai donné une certaine confiance, alors maintenant, puisque je t'ai donné à garder, alors maintenant tu m'imposes de récupérer une joie à la place de récupérer de l'argent. Mais lorsqu'il n'y a aucun rapport entre l'épicier et les employés, l'épicier lui, il n'a jamais eu affaire, pour lui c'est des truands. Toi, tu m'as fait confiance, toi, l'employeur, tu m'as fait confiance que je mets là où, que d'une fois que j'aurai payé les employés, je récupérerai mon argent, donc je t'ai fait confiance à toi. Quand ces truands, eux, ils vont jurer, j'ai pas besoin de les écouter, pour moi, je sais pertinemment que c'est des menteurs. Et inversement aussi, les employés vont dire, toi, tu nous dois notre paye, cet épicier-là, on ne connaît pas, tu nous as pas, c'est-à-dire, lorsque l'employeur a demandé à l'épicier de payer, les employés n'étaient pas là pour qu'eux acceptent. Donc après, ils les ont envoyés. Ils se sont dit que c'est un truand, on n'a pas récupéré notre argent, il n'a pas voulu nous donner. D'accord? Il n'y a pas eu la confiance qui a été instaurée entre les employés et l'épicier. De ce fait, le serment de l'un ne marche pas pour dissuader l'autre. Et chacun sera en droit de jurer et de réclamer son argent. On fait ça dans le Bartanora. Shneem nishbain venotlin mi balabait. Les deux parties jureront et récupéreront leur argent de l'employeur, du balabait, du propriétaire, du maître. D'amar le chanvani, car le poalim va lui dire, poalim l'omem noli bishvoa, ses employés, je ne les crois pas, moi je ne dois pas les croire, mais je vois, je leur ai jamais fait confiance. At he mantin hu de lo amant li besaadei,
Havlehu, c'est toi qui as décidé de les croire, puisque tu ne m'as pas demandé de les payer devant des témoins. Donc toi, tu te dis que c'est des gens honnêtes. Eh bien, débrouille-toi avec eux. Moi, pour le moment, tu me donnes mon argent, je jure et je réclame. Vechen Poalim, inversement, les employés ils vont lui dire la même chose. Amrela, ils vont lui dire Chenvani, l'homme est un bijoua. Cet épicier, on ne le croit pas du tout, bijoua. C'est un truand, le Chenvani. Le partenaire nous rapporte maintenant une de n'importe où. Lorsque les deux vont devoir jurer chacun qu'il n'a pas pris son argent, on va quand même les inviter ensemble au Bet Din de jurer l'un devant l'autre. De manière à ce que afin qu'il y en ait un qui ait un petit peu honte devant l'autre. Ouais, je peux faire le mytho devant tout le monde et jouer le grand sadique. Mais quelqu'un qui m'a vu, qui sait pertinemment que je suis en train de mentir, je vais avoir du mal, je vais avoir une certaine gêne. Peut-être que là, ça va au moins me retenir un petit peu, d'accord ? Comment ? Ça, c'était la question de Ben Nanas, qui dit comment eux et eux vont dire une joie de chav ? Puisque malgré toi, il y en a un des deux qui va jurer la faux, en vain. Venim sachem shamaim mitralel. Il s'avère que le nom d'Hachem est profané, chazu shalom. Et là, cette fois-ci, on va plutôt laisser chacun prendre son choix. Et la halakha n'est pas établie comme Ben Nanas. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'hatzlacha. Kol tov, c'est là.